sont en effet des métiers en tension, les métiers du digital, et c'est pas prêt de s'arrêter. Chez Talent, j'ai envie de dire qu'on a fait ça, peut-être pas en avance de phase, mais vraiment en phase avec les attentes de la société, en particulier des jeunes recrutés. De recruteurs, on devient en quelque sorte recruté. Les collaborateurs qui viennent nous rejoindre ont tendance à nous interroger sur les actions que nous menons avec des clients en matière de RSE et de transformation écologique en particulier. Qu'est-ce que vous faites, vous, en matière de RSE, en matière de transformation écologique, qui soit concret? C'est donc le sujet de la cohérence. Nous avons pris le statut d'entreprise à mission depuis quelques années, après un travail que justement nous avons mené avec les collaborateurs, et cette mission, quelle est-elle? C'est de donner un tour humaniste à la transformation et à l'innovation des entreprises par le levier technologique. On ne souhaite pas que la technologie ne soit pas mise en œuvre si elle n'a pas une intention humaniste pour le progrès de chacun de nous. Et il se trouve qu'au travers de cette mission, nous nous sentons vraiment en phase avec les attentes des personnes que nous souhaitons recruter et en capacité de leur apporter des parcours de carrière qui soient à la fois attrayants sur le plan professionnel et en même temps porteur de sens.